Alors, la suite du setup, on avait donc fait une toute petite retouche sur la pince à l'arrière. On n'a pas été, j'ai pas été plus loin parce que, comme je vous avais dit, ça va augmenter le sous-virage. Enfin, surtout, ça va diminuer la dérive arrière et donc bah forcément, ça va empirer le sous-virage. En empêchant d'enrouler le virage, on va donc maintenant regarder à l'aéro. Donc je vais vite faire un petit run de mise en jambe. Large. Ok, bon. Alors on va descendre à 7. On applique.
Et on y retourne. Pas de soucis, je peux encore descendre. Compliqué. Bon, en même temps, c'est pas des virages très rapides, hein, donc la différence ne se fait pas trop sentir, excepté sur le premier virage, qui risque de rendre mon freinage un peu plus délicat. Thank you.
penser, hein. Je vais essayer de modifier ma manière de faire. En cas de travers, je me suis dit que cette bordure est vraiment problématique. Peut-être que si je prends un peu plus tôt, quitte à remettre un peu de gaz entre les deux virages, comme je faisais au début. Bon, je peux encore descendre, sans problème.
encore une fois, comme je disais, il n'y a pas beaucoup de virages rapides, du coup. Bon, on va le mettre au minimum et on va voir. Alors, verdict, c'est bien, mais ça, je mettrais peut-être pour un setup qualif. Ici, pour un setup course, je laisse quand même à 2. Parce que le 1, je le trouve un poil trop délicat, en tout cas pour l'instant. Pour l'instant. Donc, on va le mettre à 2. On va sauver... primaire, voilà, et on va se faire un petit run de 15 tours histoire de voir ce que ça donne. Donc 21,
21 plus 15, 36. Yeah.
Oh merde. Bye.
dernier tour était bien meilleur. Et on valide les ailerons à deux. Alors, voyons voir au garage. Ah, on est toujours à 92%. On a un peu plus d'usure. Mais on peut voir sur les derniers chronos que ça commençait à devenir vachement bon. Hein. Une fois que j'ai commencé à bien maîtriser mon freinage. Et puis, je pense qu'on n'a jamais été aussi vite en plus. Hein. Donc voilà, bon, ce sont toutes des petites retouches qu'on a fait pour l'instant, qui n'ont pas eu beaucoup de gros impacts sur le comportement, mais qui apportent chaque fois un petit plus, soit en facilité de conduite, soit en chronomètre, soit les deux. Donc, alors, on a fini les trains roulants, on a fini l'aéro, il n'y a pas de boîte, il n'y a pas de pont. On va donc commencer avec la suspension. Et je ne sais pas encore par quoi je vais commencer, si on commence par les anti-roulis ou par l'assiette. Je pense qu'on va commencer d'abord par l'assiette. Crossweight, ça c'est plus ou moins bon. Je vais voir si on peut pas essayer d'égaliser ça un petit peu. On verra. Enfin voilà, pour l'instant, allez, pour le plaisir. Voilà, voilà. Allez, la suite dans la prochaine vidéo. À plus. Ciao, ciao.